Good morning, televiewers, and happy week starts from us at My Media Prime Television. It's your favorite program, The Brief, dedicated to the review of striking newspaper headlines in the country. And today on the program, like the papers have reviewed to us, we'll be focusing on the incident coming from Ndu subdivision in Ndonga Mountain Division of the Northwest Region of Cameroon, where a man reportedly tortured to near death by a contingent of military and security forces over there in the Northwest Region of Cameroon. And on today's program, we have as guest Ramos Messi, who is of the PCRM political party of Honorable Kabora Libi. Bonjour, Audrey. À vous, fidèles et très chers téléspectateurs de Débrief, vous êtes sur Débrief, comme je l'ai dit tout à l'heure, et bien sûr, votre émission entièrement consacrée à la revue de presse. Le soutien assuré des jeunes, c'est le titre que propose Cameroun Tribune, le journal à capitaux publics par lequel nous débutons ce matin. D'après le journal, des centaines de jeunes du Mfundi issus de tous les secteurs ont célébré samedi dernier au palais polyvalent des sports de Yaoundé le 88e anniversaire du président Paul Biya, occasion pour eux de réaffirmer leur engagement à mettre en pratique les recommandations du président de la République lors de son message à la jeunesse le 10 février 2021. La suite de cette information est à lire à la page 4 et 5 de Cameroun Tribune. Et on poursuit avec mutation nord-ouest, des cendres et des larmes. D'après le journal, un enfant retrouvé calciné dans un domicile suite à un incendie dont l'origine n'est pas déterminée. La suite de cette information est à lire à la page 5, toujours dans le même journal. SDF, John Fundi annonce sa retraite. Le même journal parle du centre des handicapés, les vérités du DG, Alexandre Manga. On poursuit avec le messager qui, à sa une, propose clair-obscur sur l'Audi. D'après le journal, alors que Maurice Kamto, promoteur de l'initiative, soutient avoir mandaté le cabinet international Ernest Andyong, la représentation camerounaise pond un démenti. Cette information est à lire à la page 3 de Le Messager, toujours dans le même journal. En 88 de Paul Biya dans les secrets d'une célébration. On poursuit et on termine avec Le Jour qui parle de Fundi. Je ne serai plus candidat à aucune élection. C'est ce que nous propose le journal bleu de Aman Mana. D'après le journal, au cours d'une rencontre avec les journalistes, le chairman du SDF a évoqué son avenir politique. Le même journal parle de débrouillardise, le quotidien éprouvant des agents commerciaux. Toujours dans le même journal, on parle de Chong, 3 morts dans un incendie. Voilà, mesdames, messieurs, pour les tabloïds en langue française. Place aux tabloïds en langue anglaise avec toi. Merci, Audrey Zags. Let's kick start with the poster newspaper this morning, which of course dedicated its front page to the incident in Ndu subdivision, Ndonga Mountain Division of the Northwest Region of Cameroon. According to the poster newspaper, soldiers torture Ndu man to near death. And the paper went ahead to say a mixed contingent of Cameroon's police, gendarmerie and army tortured a man to near death in Ndu subdivision, northwest region of Cameroon, for refusing to disclose the whereabouts of separatist fighters in the area and for being a brother to a separatist fighter. After a severe torture, Fai Jean-Claude Yengong was released to his family, and sources have told the Post newspaper that he has been confined in one of the medical facilities in the area while undergoing a treatment. And also in the Post newspaper, Nijon Frundi surrender SDF chairman to surrender SDF chairmanship at the next convention. He made the revelation recently in Yaoundé, at his Swa resident in Yaoundé, during a press dinner with journalists. And also in the Post newspaper, we are talking about Biya authorities or authorizing the Minister of Finance of Cameroon to raise over 350 billion francs from treasury bonds.
And the media newspaper talking about fighting poverty, Tarikun Cooperative raises interest or interest rate on savings, and the fastest growing microfinance, according to the paper, in Cameroon, also announced assistance to victims of conflict in the northwest and southwest regions of Cameroon. And Tanganji prescribes vigilance and pro-action. He was speaking during his security tour of the far north region of Cameroon, where he had to see off some 5,000 Nigerian refugees who have been in Cameroon since 2013. And the paper also reports that Bala's lawyer has been elected prosecutor of the International Criminal Court. The British born was elected recently, and the lawyer who came into Cameroon when Bala was detained at the Konigi Maximum Security Prison, he was elected recently to as one of the prosecutors of the International Criminal Court. Details of that story on page 3 of this edition of the Median newspaper. And the Guardian Post on its part dedicates this, it's from page 2, the Ngabu massacre, which clocks 1 year yesterday. According to the paper, military unleashes another barbaric act. Hindu mercilessly tortures man with machete because brother is suspected amber fighters. You can get details of that story on page 5 of this edition of the Guardian Post newspaper. And the paper also took interest in the announcement by the founder and national chairman of the Social Democratic Front Party, Frundi. According to the paper, Frundi gives beer other sit-tight party leaders democratic lessons. The SDF chairman, in a move described as un-Cameroonian, has announced he would quit party leadership and hand button to young person to take over the party. This was during a press dinner he organized at his Yaoundé Swa residence recently, where he briefed journalists on the way forward or the plans of the parties in the days ahead. And the suspected Ambas fighters killed 3 Libyalin chiefs, the Libyalin chiefs who were adopted on Saturday during or in their deep sleeps, were killed in public or were killed publicly by the Red Dragon, a faction of the Anglo militias operating in Libyalin division of the southwest region of Cameroon. We are back in the studio to continue with the discussions. Audrey Zagza, our guest, who is coming from the PCRN political party. Bonjour à vous une fois de plus, Monsieur Ramos. Bonjour à vous et bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Comment se porte le PCRN ce matin? Le PCRN se porte comme un parti qui est en train de se battre sur le terrain pour conquérir tous les exécutifs en 2025. D'accord. On va commencer avec cette affaire d'incendie au Cameroun. Comment comprendre? Enfin, le Cameroun enregistre dernièrement une série d'incendies. On ne sait pas ce qui peut bien se passer dans toutes les régions, que ce soit à Douala, que ce soit dans le nord-ouest, que ce soit, je ne sais pas, au sud. Mais que se passe-t-il réellement avec ces incendies? Et comment faire pour, n'est-ce pas, éviter cela dorénavant? Si c'était dans un langage du quartier, je dirais que c'est une affaire peut-être de sorcellerie. Mais ici, il faut être scientifique, il faut être rationnel. Et la rationalité nous amènera à dire que, à constater un fait, les incendies généralement partent des installations électriques qui sont mal faites dans nos ménages. Et généralement, ce sont les principales causes. On peut donc dire, par exemple, peut-être que c'est à partir de là que les courts-circuits et autres peuvent arriver et que les maisons soient incendiées. Autre chose, le Cameroun est dans une situation, dans un climat sociopolitique un peu délétère. Il y aurait donc peut-être certaines personnes qui pourraient postuler en pyromane et dans le sens de mettre le Cameroun en mal, continuer donc à faire cela, c'est-à-dire à mettre le feu, puisque c'est plus facile de mettre le feu dans les domiciles, dans les ménages, que de porter des bombes et venir placer dans les centres où les gens circulent. Donc je me dis peut-être que c'est la procédure ou bien le procédé de certaines personnes
qui ont envie ou bien qui veulent voir le Cameroun à feu et à sang, qui procèdent par là. From the party's finding, what is the cause? What could be the cause? Le PCRN reste sur la thèse rationnelle, c'est-à-dire les incendies à partir des courts-circuits dans les ménages, les installations qui sont mal faites. On sait que généralement que tous les ménages ne sont pas desservis par le courant ou bien la source d'énergie de la SONEL, c'est-à-dire donnée par Eneo plutôt. On sait généralement qu'il y a des gens qui font des piquages, comme on dit souvent, qui volent, on appelle ça le son loup, dans un langage un peu plus banal. On appelle ça le son loup. Et les gens vont donc prendre des sources d'énergie de façon frauduleuse et alimentent leur maison. C'est non contrôlé. Et quand les dégâts arrivent, on ne peut que supporter, on ne peut qu'avoir nos yeux. Et est-ce qu'il faudrait donc rappeler à la conscience des uns et des autres, n'est-ce pas, de faire des checking constamment dans leur ou sur leur installation à la maison, installation électrique? Évidemment, tout va de la situation, de la conscience de chaque individu. Conscient du fait que si je prends une source d'énergie frauduleuse, ça peut entraîner des dégâts. Et c'est à partir de là qu'on pourrait lutter normalement contre ces incendies-là. On ne peut pas mettre un agent de la SONEL derrière chaque Camerounais. Il faudrait d'avoir une prise de conscience individuelle. Maintenant, Eneo viendra juste accompagner cette prise de conscience-là et régulariser dans la situation. Si, par exemple, vous avez une source d'énergie qui est frauduleuse chez vous, vous appelez Néo, vous dites voilà, je voudrais sortir de là. Comment est-ce qu'il faut faire pour avoir une source d'énergie réelle? Généralement, beaucoup de jeunes sont locataires. C'est-à-dire, quand ils arrivent dans un quartier, on leur dit on vous loue la maison, on ne vous loue pas, on ne sait pas là où vous allez prendre l'énergie. Ils se débrouillent donc à trouver quelque part, et quelque part dans un quartier, il y a toujours quelqu'un qui peut vous donner le courant. Qui va vous donner le courant. Et vous ne cherchez pas à savoir où est-ce qu'il va prendre. Où est-ce qu'il va tirer cette énergie? Et sont cette source d'énergie frauduleuse là qui, en réalité, cause souvent des dommages dans nos ménages. Ok, monsieur, let's revisit the Guardian Post newspaper talking about Ngarbo massacre, which of course clocks 1 year, and military, according to the paper, has unleashed another barbaric act. Indu, we've seen videos, according to the paper, videos of an individual who believed to be a brother to one of the AMBA fighters was tortured mercilessly by a contingent of gendarmerie, police and the army. Oui, il faut dire que d'emblée au PCRN on est contre la violence et toute forme de violence. Did you watch the video? Oui, j'ai vu la vidéo. Okay. On est contre toute forme de violence, et la violence est inhumaine. C'est-à-dire, ce sont des traitements que, en réalité, je ne souhaiterais à personne. Personnellement, je ne souhaiterais à personne d'avoir ce type de traitement. Par contre, comme je venais de le dire tout à l'heure, on est dans un climat sociopolitique très, très délicat, très, très compliqué. Les actes des militaires ne peuvent pas être justifiés, mais la situation dans laquelle ils se trouvent peut les amener avoir un certain nombre d'attitudes sur le terrain. Je m'explique. Le peuple est plus violent que ses militaires parce qu'ils sont formés à avoir de la retenue sur le terrain. Parce qu'ils vont à l'école militaire, ceux qui sont passés par là, par les miens et consorts, par la formation, ils sont formés pour avoir de la retenue sur le terrain. Par contre, le peuple, imaginez-vous, si vous sortez là et qu'on crie au voleur, quand le peuple attrape le bandit, directement c'est la vindique populaire. Elle dit on le brûle, on le frappe, et sans justice. That's exactly my question. You are diverting my question. No, I'm talking about a military that has been trained. I'm coming. Maintenant, ils sont formés. Imaginez donc vous que peut-être un an après, quand vous avez dit que votre collègue a été abattu par un ambazonien, ou alors votre a dit Cochambré a été peut-être son pied a été coupé par un ambazonien, et que vous entendez sur le terrain que l'un de ces gars qui avait commis ces actions habite à tel endroit, ou alors quelqu'un qui pourrait le connaître habite à tel endroit, et que vous allez vers cette personne après un certain nombre d'investigations, vous demandez à ce que qu'on vous donne l'information exacte où se trouve la personne, où se trouve exactement la personne, et que la personne refuse. Généralement, la violence des militaires sur le terrain est proportionnelle à ce qu'ils vivent. Proportionnelle à ce qu'ils vivent. Parce qu'ils sont formés. Je ne justifie pas.
Je ne suis pas en train de justifier, mais je suis en train de dire que c'est psychologique en réalité. Quand on suit la vidéo, cette vidéo-là, il y a l'un des militaires qui dit que si les gars, c'est ce qu'ils nous font sur le terrain. Et la violence est proportionnelle parce que ces gars sont formés pour avoir de la retenue, pour protéger la population. Donc, il est donc inadmissible qu'ils se transforment en bourreaux de la population. Donc, on ne peut pas comprendre qu'un militaire se lève un matin, que son déjeuner s'est défouté. On a eu le communiqué du préfet, sous-préfet de Ndou, arrondissement de Ndou, là où il demande qu'il faut qu'on les punisse. Ils doivent être punis. Ça, c'est... Je suis en train de justifier l'air. Je ne justifie pas, mais je vous mets seulement dans les conditions psychologiques dans lesquelles ils se trouvent. Le sous-préfet, en réalité, c'est un administrateur. Il est dans son bureau. En réalité, il ne sait pas ce qui se passe sur le terrain. Mais ils sont toujours sur le terrain avec les militaires. Pas comme ces militaires qui dorment. Ils vivent là-bas. Pas comme les militaires qui vivent dans le, qui sont dans le froid, au four et au moulin tous les jours avec ces embasonniers. Il a dit, vous savez, une feuille bouge en brousse, vous ne savez pas si c'est une balle qui est en train de venir ou bien c'est une balle qui vous a raté. Donc à chaque jour que vous vous réveillez, vous dites merci à Dieu pourtant. Le sous-préfet est dans son bureau, il ne sait pas en réalité ce que vous vivez sur le terrain. Donc, je ne suis pas en train de justifier la violence, mais il dit juste que ces gars sont formés pour avoir de la retenue. S'ils arrivent là, à ce niveau-là. But the most funniest thing is that the act is happening 1 year after same act was committed in that locality by the same military. Bon. Je ne peux pas dire que by the same military parce non, que the President Paul Biya oui. We've seen it's not the hidden. It is official that the act of God by military, was committed but not by the same military because by the same Cameroonian security and defense forces. They that's are military, but not the same. Trained by the military, same? By the military, but not the same. Parce que ceux qui avaient commis ces exactions de Ngabu avaient été mis au by the same military. When I say same, I mean same military, same. Cameroonian Defense and Security Force. Mais ce sont les mêmes aussi Camerounais qui se transforment en basonniers. A dit, depuis, ils n'ont pas cessé des actions sur le terrain. Donc, il ne faudrait pas, faire croire aux gens que ce sont des militaires qui, en réalité, promeuvent la violence sur le terrain. La violence est réciproque. On ne peut pas désarmer un État pour laisser les rebelles avec des armes. On n'a jamais vu ça au monde. Depuis que le monde existe, ou bien depuis que l'État existe, on n'a jamais vu ça nulle part. Donc, ces gars doivent être en réalité punis. Mais, vous dites, dans les circonstances, si on reproduit la même scène 10 fois, le même comportement se répétera 10 fois. Ils préfèrent agir et peut-être être punis après, que de laisser et que cette violence continue. Et on parle également de... du kidnapping et de certains chefs. Évidemment, ce qui est mauvais, c'est que c'est l'indignation publique. Quand vous parcourez la toile, on parle plus de cette vidéo que des trois chefs qui ont été tués. Celui-ci n'a que été maltraité. Il n'a que subi des violences, des civils corporels. Oh, trois personnes. Donc, vous êtes en train de dire que les civils doivent être maltraités comme ça pour avoir. Est-ce que le militaire ne doit pas travailler avec l'intelligence? Le militaire travaille avec l'intelligence. Ce qu'ils font, c'est l'intelligence. Qui vous dit que s'il ne faisait pas cela? Est-ce qu'il a dit qu'il connaît là où son c'est frère? La question que moi je voudrais poser au public, peut-être pas à vous, mais au public, c'est que qui vous dit que s'il n'avait pas traité ces gars de la sorte, on n'aurait pas peut-être tué 5 chefs ou bien 10 chefs? Non, on est arrivé à 3 peut-être parce qu'ils ont infligé ce... C'était pas dans la même localité. L'autre c'est Andou, l'autre c'est... C'est juste un parallélisme de forme. Oui. Pour dire que ce qu'ils ont fait peut-être a atténué certains effets. Parce que s'ils n'avaient pas agi, il y aurait peut-être avoir eu d'autres méfaits sur le terrain. Vous voyez un peu, s'il n'avait pas agi avec violence, malheureusement, il y aurait peut-être avoir eu d'autres... Maintenant, parlons de l'assassinat de ces trois autres chefs. Comment comprendre que des personnes qui clament la division du pays pour le bien de leurs frères et sœurs se permettent encore de tuer leurs mêmes frères et sœurs là? Jusqu'ici, je ne sais pas s'ils sont... Les vrais sécessionnistes qui, nous, en fait, au PCRN, on ne peut pas confirmer si ce sont les vrais sécessionnistes qui tuent ces chefs. Parce que les sécessionnistes militent pour une sorte de liberté, une sorte d'autonomie. Donc,
Et ce sont des gars en réalité qui sont respectueux des valeurs traditionnelles. On sait qu'au Cameroun, il y a le nord, ouest et le sud-ouest, il y a l'ouest et le nord qui respectent les chefs. A dit, ils ne peuvent pas mener un certain nombre d'actions sur les chefs traditionnels. Maintenant, il y a d'autres thèses qui disent qu'il y a des mercenaires qui viennent du Nigeria. Ce sont eux qui peuvent avoir ce courage-là d'affronter les chefs et jusqu'à les tuer. Non, donc, ça a été fait par le Red Dragon. Hein. On a vu parler. Il y a une sorte. Fimacha. Évidemment, ce sont des gens qui sont, les frimas, ce sont les gens qui sont déconnectés des réalités camerounaises. Ils ne sont plus dans la dimension de la sécession, juste pour la sécession. Ce sont des gens qui ont d'autres idées, qui ont d'autres idées. Au départ, on avait les indépendantistes, on avait les sécessionnistes, on avait les fédéralistes. Mais ces gars sont déjà déconnectés de la réalité qui est la nôtre. Donc, ils ne veulent même plus, ils veulent seulement, c'est implémenter la terreur. On est en train de tuer trois chefs, c'est juste pour mettre. We are coming to the end of the program. What are you proposing as solution so that this torture on the part of the military and killing of innocent civilians by Ambazonian fighters should come to an end? La première solution, c'est d'abord en fait un recyclage des militaires. Leur dit que quelle qu'en soit la forme de la violence des civils, ils ne doivent pas répondre, traiter les civils comme les militaires, parce que ce traitement qu'ils empruntent envers les civils est un traitement purement dans les camps militaires, qu'on voit dans les camps militaires. Donc il faut un recyclage pour qu'ils aient un comportement assez aimable. Maintenant, il faudrait un véritable dialogue entre ces leaders et le gouvernement. Qu'ils disent en réalité ce qu'ils veulent. On a eu un dialogue national, ça c'est vrai. Les leaders là sont qui? Justement, vu qu'on ne sait pas vraiment qui sont ces leaders, les séparatistes, les ambazoniens, les gens d'autres mercenaires venus d'ailleurs, finalement, on ne sait pas. On a eu certains qui n'ont pas participé au dialogue. Comme qui? Ils en sont nombreux. Comme celui que vous venez de citer. Ils n'ont pas participé au dialogue. Qu'ils expriment clairement ce qu'ils réclament à l'État camerounais. Et là, on pourra maintenant discuter, l'État camerounais pourra discuter avec eux et leur donner peut-être des solutions. Sinon, on restera toujours dans le cas de ces violences-là. Donc, que les gens se mettent sur la table et qu'ils dialoguent franchement et que les solutions puissent être trouvées le plus rapidement possible. Voilà, merci beaucoup. Et c'est sous ces paroles que nous mettons un terme à cette édition de ce jour. Madame, messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Restez scotchés pour plus sur My Media Prime Television. Thank you, televiewers, for watching this very first edition of the week, which was, of course, produced by Tebon Christian. And for presentation, we've been Audrey Zags and myself, Lasha Kingsley. Bye-bye.